François, moniteur martiniquais, a initié le jeune Enzo à la plongée sous-marine. Aujourd'hui, il a choisi les tombants du rocher du Diamant pour sa nouvelle plongée. Il est passionné par l'histoire de la Martinique. Au pied du rocher, à quelques mètres de profondeur, François a récemment découvert un canon qu'il souhaite montrer à Enzo. Ici, la mer est souvent agitée. Un violent courant entraîne rapidement nos deux explorateurs le long de la falaise sous-marine. Le canon concrétionné est bien là. Ballotté par la houle, Enzo n'en croit pas ses yeux. Ce canon de marine de 18 livres, du 19e siècle, était à l'époque une arme redoutable. 2 tonnes, fondues en fer, 2,50 m de long. Il était monté sur un affût en bois, équipé de roulettes et servi par une dizaine de marins. Dégagé du sable, un boulet rouillé apparaît. Ce type de boulet sphérique était généralement tiré contre la coque des bateaux et les mâts des navires. Le canon est très exposé à la houle. Enzo s'essouffle rapidement. François doit écourter la plongée et cherche un endroit plus calme pour regagner la surface. Il peut alors lui raconter tranquillement l'histoire héroïque du Diamant du début du 19e siècle. En effet, ce canon et ce boulet témoignent d'une incroyable épopée militaire. Au début du 19e siècle, la guerre fait rage entre la France et le Royaume-Uni pour le contrôle maritime des Antilles. Le rocher du Diamant est une petite île inhabitée située dans la mer des Caraïbes, au sud-est de la Martinique, à 3 km environ de la pointe du Diamant, dans le canal de Sainte-Lucie. 176 mètres de hauteur, 300 mètres de diamètre, pour une superficie de 600 hectares. En 1804, les Anglais prennent pied sur ce rocher d'origine volcanique qu'ils occuperont pendant 17 mois. L'amiral anglais Samuel Hood comprend très vite l'intérêt et la place stratégique du rocher. La possession du rocher du Diamant permet de contrôler le passage des navires qui font escale à Port-Royal en harcelant la flotte française. Port-Royal deviendra par la suite Fort-de-France. Le 6 janvier 1804, le rocher devient anglais. Sous le commandement du capitaine Morris, une équipe de 120 marins s'empresse de le fortifier. Un débarcadère est rapidement construit. Des passages sont aplanis à l'explosif et des forges sont installées. Eau douce, nourriture, planches, briques, sable, mortier, poudre et canons sont ainsi débarqués. Au bout de 3 jours, le sommet du rocher est atteint. C'est là que le 10 janvier 1804, Samuel Hood prend officiellement possession du rocher du Diamant pour la couronne britannique. Les grottes servaient alors de dortoir aux hommes, les officiers bénéficiant de tentes. Pour pallier un ravitaillement incertain, acheminés à l'aide de paniers hissés jusqu'au sommet grâce à des poulies et des cordes, un petit élevage de chèvres, de pintades et de poules se développa sur les maigres herbages du lieu. Les Anglais construisent un chemin de ronde, installent la batterie de la reine, armée de 3 canons de 18 livres, sur la plateforme au ras de la mer, en face de la côte martiniquaise. Dans une grotte, la batterie Hood, armée d'un canon de 24 livres, assure la défense en cas d'attaque surprise. 2 canons de longue portée de 18 livres sont également hissés au sommet du rocher depuis le navire Le Centaure par un système de va-et-vient commandé par les cabestans du bateau. Cette manœuvre pharaonique terminera la fortification du rocher.
Position stratégique, le rocher se vit conférer par la marine britannique le titre honorifique de navire de guerre. Il devint le HMS His Majesty's Ship Diamond Rock. L'occupation du diamant n'est pas vraiment prise au sérieux par les Français, qui répliquent toutefois en installant face au rocher un bastion défensif. Pendant plusieurs mois, les troupes françaises tentèrent de reconquérir en vain l'îlot. Le gouverneur de la Martinique, Villaret de Joyeuse, avec l'aide du vice-amiral Villeneuve, confia cette mission à une division commandée par le capitaine de vaisseau Cosmao Kerjulien, qui parvint à reprendre le diamant aux Britanniques. La garnison manquant de nourriture et d'eau, les citernes ayant été fissurées, se rendit aux forces françaises le 2 juin 1805. Le conflit entre les deux marines de guerre prendra fin à la bataille du Trafalgar le 21 octobre 1805 par la victoire de la flotte anglaise du vice-amiral Nelson sur la flotte franco-espagnole commandée par le vice-amiral Villeneuve. Ce fut une très lourde défaite pour Napoléon Ier. Enzo est très attentif. François lui montre les vestiges d'un petit mur au pied d'une grotte et les restes de la plateforme où était installée la batterie de la reine. Traversant les siècles et regardant le rocher, il peut un court instant imaginer la montée des canons depuis le Centaure. Après plus de 200 ans, le calme est revenu sur le rocher. C'est aujourd'hui un sanctuaire pour les oiseaux marins et peut-être le dernier refuge de la couleuvre couresse endémique de la Martinique. L'îlot doit son nom au reflet de ses parois à certaines heures du jour qui évoquent ceux d'une pierre précieuse. Interdit à tout débarquement, le diamant est devenu le paradis des plongeurs, les seuls visiteurs sous-marins tolérés. Après ce rappel historique, François entraîne son élève pour une deuxième plongée à la découverte de la vie sous-marine du rocher dans une zone plus calme. Laissons nos deux plongeurs apprécier le spectacle qui se déroule sous leur masque et souhaitons aux enfants de la région de pouvoir un jour partager avec Enzo des moments aussi forts. Thank you.